Le texte qui sera le sujet de la prédication de ce dimanche, je le prends dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er de cet évangile. Je lis à partir du verset 14 jusqu'au verset 20 de ce premier chapitre de l'évangile de Marc. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans leur barque, en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Je vous invite à chanter au cantique 193. Nous chantons les quatre strophes du cantique 193. Nous avons déjà chanté la première pendant la liturgie, mais c'est pas très grave si nous la rechantons une fois de plus, car c'est la totalité de ce chant qui fait sens aussi, et ce serait dommage de la recommencer à la strophe 2, dont nous chantons les quatre strophes du 193. Nous prions. Notre Dieu, ce que nous te demandons tout simplement, ici et maintenant, c'est que tu fasses taire en nous toute autre voix que la tienne, et que cette parole, cet évangile qui vient d'être lu, soit
pour chacune et chacun de nous, ta parole pour nos existences au quotidien. C'est là ce que humblement nous te demandons au nom de ton Fils, ta parole pour nos vies. Dans son essai « Le mythe de Sisyphe », Albert Camus s'interroge, je cite, « Savoir si l'on peut vivre sans appel est tout ce qui m'intéresse », dit-il. Frères et sœurs, y a-t-il un appel à l'origine de mon existence? S'est-il fait entendre en son commencement? Si oui, de qui est cet appel? Et à quoi me convoque-t-il? Et s'il n'y a pas d'appel, à quoi bon vivre? Quel est le sens même de mon existence? Et l'absurde d'une existence sans appel conduit-il au suicide? Au divertissement sans fin qui en est peut-être l'autre version? Ou à une volonté plus forte encore, comme le voulait Camus, de vivre une vie ouverte, véritable, vivante en somme. Et Camus passera son existence à poser cette question décisive pour chacune et chacun de nous. Y a-t-il un appel? Il tentera d'y répondre dans ses essais, L'homme révolté, ses romans, L'étranger, mais aussi, je l'ai découvert tout récemment d'une façon inattendue, dans sa correspondance avec Maria Cazares, publiée l'année dernière, où l'on découvre un Camus qui ne cesse de solliciter l'appel, de répondre à l'appel et d'appeler lui-même celle qu'il aime, manifestant sa doute à son corps défendant qu'il est bien difficile, sinon impossible, de vivre sans une forme ou l'autre d'appel. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est un appel, qui en est la source et à quoi il nous invite. Et notre texte de ce jour semble proposer des éléments de réponse à ces questions. Il n'est même qu'une longue réflexion sur l'appel. C'est ainsi du moins que je vous invite à le découvrir. Une réflexion qui, comme en une spirale, s'affine au fur et à mesure de ses tours successifs jusqu'à s'épurer au point de poser la question décisive. Y a-t-il pour toi, mon frère, ma sœur qui écoute, un appel? Je vous propose donc de lire ce passage comme une méditation qui se déploierait en trois temps, trois stades successifs, proposant ainsi trois définitions de plus en plus affinées, approfondies, de ce qu'est l'appel, au sens évangélique du terme. Le premier temps est constitué par les versets 14 et 15, le début du texte. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli,
Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ce premier temps, je propose de le nommer l'appel comme utopie. Il prend ici la forme de la proclamation de Jésus, invitant les foules à accueillir le règne de Dieu dans une attitude de conversion et de foi. Un appel qui annonce et qui donnera corps pour le meilleur et pour le pire au grand récit chrétien qui portera en partie l'Occident et la civilisation judéo-chrétienne. Il faut bien le dire, sous sa forme religieuse traditionnelle, cet appel est aujourd'hui en déclin. Et nous en sommes même sans doute devenus orphelins. Et ce, malgré les nombreuses résurgences qu'il peut avoir en ce début de 21e siècle. Résurgences qui ne sont pas toujours portées par la même force utopique que dans le passé. C'est au contraire plutôt par le nihilisme que se caractérise aujourd'hui l'appel religieux. Qu'il soit tragique pour l'islam radical, consumériste pour cette forme de paganisme que constitue la théologie de la prospérité néo-pentecôtiste, ou qu'il soit quelque peu essoufflé dans nos communautés traditionnelles. Cette forme utopique de l'appel, il faut cependant sans cesse faire l'effort de la traduire pour nos contemporains, pour mieux en saisir la portée et l'enjeu, car elle a encore du sens aujourd'hui où nous sommes en déficit d'espérance. Tentons alors une traduction possible de cet appel à se convertir et à croire à la bonne nouvelle de la proximité du règne de Dieu. C'est ma traduction personnelle, mais c'est à peut-être chacune et chacun de nous, en Église, d'essayer d'en faire une autre. On pourrait dire qu'il s'agit de changer notre rapport à la réalité, en faisant confiance en la possibilité de la transcendance au cœur de l'immanence, de s'ouvrir à une dimension verticale de l'existence, capable de donner de la profondeur à un horizon consumériste fermé, donc mortifère. Qu'il s'agit de croire en ce qui donne du relief à notre quotidien, de faire confiance au vivant qui ne se prévoit ni ne se programme, et non pas au biologique et au génétique qui enferme l'homme dans un destin scientifique ou technique qui n'a rien à envier à celui promis autrefois par le discours religieux. Qu'il s'agit en somme de vivre notre finitude et ses limites comme un cadeau, sans céder à l'illusion transhumaniste et à l'angoisse qu'elle génère. Oui, cet appel de Jésus à accueillir le règne de Dieu peut constituer une façon de répondre au désespoir de nombre de nos contemporains. Voici donc la première forme initiale, très ancienne, utopique au sens noble du terme de l'appel. L'appel porté par la parole de l'homme de Nazareth à accueillir une autre réalité que la simple évidence d'une horizontalité qui rabat l'existence au niveau du seul biologique, de la seule survie et de la seule jouissance de l'objet dans un divertissement sans fin. Notre société souffre de ne plus savoir entendre cet appel et nos églises ont tant de mal à le porter. Deuxième temps de la réflexion, les versets 16 à 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. L'appel ici comme engagement à suivre Jésus au cœur du monde pour servir cette utopie du règne de Dieu. « Venez à ma suite. » Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. L'appel utilise ici une métaphore reprenant une image de leur quotidien. Vous pêchiez des poissons, désormais vous pêcherez des hommes. Comment comprendre l'image? S'agit-il de rassembler ce qui est dispersé, ce qui est divers, différent, en une seule communauté? L'universalité de l'appel est-elle ici comme posée?
Mais l'image du filet n'est pas forcément positive. Dans un filet, les poissons sont promis à la mort, prêts à être consommés. Et il est vrai que dans le livre du prophète Jérémie, d'où cette image est prise, c'est un rassemblement en vue du jugement dont il est question. Et l'Église s'est fait forte au cours des siècles de le rappeler. Mais peu importe l'image, cependant. L'appel résonne ici comme une invitation non seulement à se convertir et à faire confiance, comme dans le premier temps, mais encore à devenir acteur de cette proclamation. Nous souffrons sans doute aujourd'hui d'un déficit de l'engagement. Nous voulons des sécurités, des garanties, des engagements sans risque, c'est-à-dire des non-engagements. Et nous craignons aussi que les paroles à proclamer ne plaisent pas. Et pourtant, l'appel comme engagement est bien une possibilité qui s'offre à chacune et chacun de nous, dans l'Église et ailleurs, à partir du lieu où nous vivons, comme ces pêcheurs de Galilée, dans la profanité du monde. C'est là et pas ailleurs qu'il nous faut entendre l'appel. C'est là et pas ailleurs qu'il nous convoque et nous invite à nous mettre en mouvement, à prendre des risques, sans autre garantie qu'une parole qui nous invite à aller de l'avant, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Troisième moment de la réflexion, les deux derniers versets. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans leur barque, en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans leur barque le père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. L'appel en tant que simple appel. L'appel comme appel, en somme, sans contenu autre que l'appel lui-même. En effet, vous l'avez peut-être remarqué, l'évangéliste ne répète pas la même chose que précédemment. Oh, certes, on peut toujours penser que l'évangéliste ne répète pas ce que Jésus a quand même dû dire à Jacques et Jean, c'est-à-dire comme à Pierre et André, « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Il n'empêche, ce qui compte dans le texte, c'est l'écart entre le premier appel et le second. Ici, Jésus appelle. Un point, c'est tout. Et Jacques et Jean quittent leur père, la barque et les ouvriers. Or, cet appel des deux frères, notez bien ça, c'est important, sans contenu autre que d'être un appel, je pense et je pose que ça a une dimension mythique qui le rapproche du livre de la Genèse, du mythe de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre pour ouvrir la Genèse. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour ouvrir l'évangile de Marc. Il y a donc bien des commencements dans ces deux textes. Or, autre lien qui unit ces deux textes, en ces deux commencements, celui de la Genèse et de l'évangile de Marc, il est question de fratrie. Caïn et Abel, d'un côté, avec lesquels de façon dramatique, la fraternité s'inaugure en fratricide. Pierre et André, Jacques et Jean, de l'autre côté, répondant à un appel qui les décentre et leur évitera peut-être la haine fratricide. Deux fois deux frères sont les premiers disciples appelés par Jésus. Étonnant. Comme s'il s'agissait de reprendre le texte de la Genèse pour en proposer un autre parcours. Car l'appel par Jésus de deux fois deux frères contient peut-être en lui-même la potentialité de traverser le chemin étroit et difficile qui va du fratricide à la fraternité. Cette fois, en effet, en ce commencement-là, peut-être ne se tueront-ils pas. Mais pour cela, encore faut-il que s'invente une nouvelle forme de fraternité, d'où le biologique est sinon exclu, du moins radicalement questionné, ils quittent leur père. Ils quittent la barque familiale
Pour Jacques et Jean, répondre à l'appel, c'est quitter le père et sa barque. Rassurante. Répondre à l'appel, c'est constituer une nouvelle fratrie où avec d'autres, ils feront communauté non plus de sang, mais de parole. Communauté d'appelés, hors d'eux, hors de la barque familiale où se mûrissent les haines fratricides, hors des liens du sang où se fomentent les jalousies mortifères. C'est le sens étymologique du terme « ecclésia » qui a donné « église ». Appelé hors d'eux, hors de la famille biologique, hors de la tribu, hors du clan, pour constituer la famille des frères appelés. Non plus bâti sur le lien du sang, mais sur du lien symbolique. L'appel en tant qu'appel aurait donc des effets de vie. Il serait donc susceptible de libérer des liens mortifères. Malheureusement, l'histoire des communautés chrétiennes est là pour montrer que ce n'est jamais gagné. Combien de fois nous sommes-nous tués, physiquement ou par des mots, entre frères. Dans L'étranger de Camus, le héros Meursault tue l'arabe sur la plage, sans raison apparente. Dans le livre de la Genèse, Caïn tue Abel par jalousie. Dans l'histoire de l'Église, les guerres fratricides ne cessent de poser un déni à la force de l'appel de susciter un peuple de frères d'un genre nouveau. Alors, l'appel peut-il malgré tout changer la donne? Peut-il faire naître la possibilité de la fraternité? Rien n'est moins sûr, j'insiste sur ce point. Tant il est vrai que trop souvent les appels religieux, politiques, humanistes ont participé à la violence et au sang, ou plus simplement ne sont pas en capacité d'éviter la haine qui divise. Mais ici, il y a peut-être une toute petite différence qui peut peut-être faire en nous la différence. Et cette différence, c'est celle-ci. La voix qui appelle dans l'Évangile. Et la voix de celui qui va bientôt mourir en prenant sur lui les violences meurtrières de tous les Caïn, de tous les Meursault et de toutes les haines fratricides, donc les nôtres, celles que nous vivons encore en Église ou ailleurs. Et cela ouvre peut-être une brèche dans la fatalité du monde. Alors si une telle possibilité existe, l'appel en tant qu'il est l'appel du Christ est sans aucun doute possible la réalité la plus décisive de notre existence. En tout cas, elle peut le devenir. Il n'a pas d'autre contenu que d'être un appel. L'appel de notre nom. Il n'attend pas autre chose que notre réponse. Et il est en capacité de nous décentrer de nous-mêmes et donc de nous ouvrir à l'autre autrement que comme un adversaire. Quel appel attendons-nous? Quel appel entendrons-nous? Celui de l'appel comme utopie, c'est-à-dire une invitation à comprendre notre existence autrement que comme un simple processus biologique, mais bien comme une aventure qui s'ouvre encore à l'inattendu des lendemains. Peut-être sommes-nous trop âgés pour y croire encore. Celui de l'appel comme engagement, nous engager comme acteurs de la proclamation dans l'Église ou ailleurs. Peut-être n'en avons-nous plus l'énergie. Celui de l'appel comme appel, dans ce dernier cas, jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Le contenu même de l'appel n'est pas ce qui importe. Mais jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, nous pouvons l'entendre dans nos vies. La tentation sera d'ailleurs toujours de donner un contenu trop précis à cet appel. Jacques et Jean, ces deux frères que Jésus n'a fait qu'appeler, ne seront-ils pas un peu plus loin dans l'Évangile, ces deux qui, plus loin, demanderont d'être à la droite et à la gauche, lors de la venue du règne de Dieu, preuve que répondre à l'appel, ce n'est pas le comprendre. Non, l'essentiel dans l'appel comme appel, c'est la voix de celui qui appelle.
Il s'agit de répondre non pas à une mission, mais à la voix. La voix du Christ qui m'appelle par mon nom jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, sans garantie, sans contenu, sans sécurité, mais pour que ma vie me soit offerte comme une vie vivante, malgré la mort et l'absurde. À l'appel de la voix, on peut se raidir ou s'ouvrir, partir ou consentir, mourir ou bénir, haïr ou aimer. Pourquoi l'un? Pourquoi l'autre? Nul ne peut le dire. Mais la voix est là qui persévère à appeler. Elle appelle et appellera encore jusqu'à ce que pour toi, mon frère, ma sœur, se lève l'aurore. Son appel te redresse. Et la promesse qu'il contient déborde les étroitesses qui risquent tous les jours de te faire désespérer de la vie et te refermer sur toi-même. Savoir si l'on peut vivre sans appel est tout ce qui m'intéresse, disait Camus. La voix est là, qui persévère à appeler. Que celui qui a des oreilles pour l'entendre, l'entende. Amen.